Et le rapport Sauvé dit, il emploie le mot, hein, il dit, il y a quelque chose de systémique. Il y a quelque chose dans le système qui produit ces abus et qui produit la dissimulation, qui produit le silence. Il faut changer le système, et ce système, vous le décriviez déjà très bien dans l'un de vos précédents ouvrages, Les silences de l'Église. Vous expliquiez que les évêques concentrent tous les pouvoirs et qu'il faut absolument un contre-pouvoir pour s'opposer à ces hommes qui se prennent pour Dieu. Oui, alors le pire, c'est que, à titre individuel, ce sont des hommes, j'ai envie de dire, comme vous et moi. Oui. Mais c'est amusant, non? Oui. Mais je veux dire, quand ils sont ensemble, quand ils sont en corps, je veux dire, ils considèrent qu'ils ont reçu une sorte d'effusion divine, de grâce qui les met au-dessus de tout, y compris d'ailleurs au-dessus des lois de la République. On vient d'en avoir la preuve. Donc c'est ça le problème. Et d'ailleurs, quand on écoute les victimes, quiconque a écouté des victimes, savent que les victimes disent... Le curé, il était comme Dieu. Et c'est ça qu'il faut réussir à défaire. Avec une solidarité entre évêques que vous dénoncez également. C'est ce système-là qu'il faut briser. C'est d'ailleurs parce qu'il y a cette solidarité entre évêques que, je dis, il faut qu'ils produisent ensemble un geste collectif qui est cette démission de tous. De tous, sans exception. Même ceux, certains évêques bienveillants que défendent, par exemple, certaines victimes, Olivier Savignac du collectif Parler et Revivre, qui dit que certains sont bienveillants. Vous vous dites, peu importe, on ne va pas trier, c'est tout le monde ou rien. Mais, y compris la jeune génération d'évêques. Vous venez de montrer le cardinal Marx, cardinal archevêque de Munich, qui indiscutablement n'est pas coupable à titre individuel, mais qui fait ce geste formidable, il dit... Je prends mes responsabilités, c'est-à-dire que je réponds des actes qui ont été posés. Et je veux dire, ils disent qu'ils ont cette responsabilité sur l'ensemble de l'Église, alors qu'ils prennent leurs responsabilités. Là, je les mets au pied du mur. Si votre ecclésiologie, hein, c'est un mot qui décrit la façon dont l'Église est organisée, si vous croyez à votre ecclésiologie, vous devez démissionner. Démissionner, c'est-à-dire présenter leur démission au pape, oui. Qui, on l'a vu, l'a déjà refusé à de nombreuses reprises, au cas par cas. Oui, sans doute, d'ailleurs, ce serait le cas. Moi, l'appel que nous lançons n'a pas pour objectif de virer les évêques de leurs évêchés. Donc c'est pour le geste, c'est pour le symbole. Mais c'est parce que, vous savez, François Deveau, le jour où le rapport Sauvé est donné, il a ces paroles terribles. Vous avez l'image, hein, vous devez payer. Comment est-ce qu'il faut payer? Il faut payer en argent, mais il faut payer aussi de façon symbolique. Il faut symboliquement dire, oui, nous reconnaissons que nous avons une responsabilité. Quitte à être renommée après par le pape François. Bien sûr, parce que renommée, ça veut dire que, d'une certaine façon, on recommence, mais on recommence ensemble, on recommence d'une autre façon. On ne recommence pas de la même façon, et on ne recommence pas seulement avec des bonnes résolutions. Parce que les bonnes résolutions, ils nous l'ont déjà fait, le coup des bonnes résolutions. Ça ne va pas tout à fait suffire. Le pape François, qui le 6 octobre dernier réagissait au rapport Sauvé en exigeant, non pas des démissions, mais un effort des évêques français. Coraggio ai vescovi e superiori religiosi a continuare a compiere tutti gli sforzi affinché drammi simili non si ripetano. Esprimo ai sacerdoti di Francia vicinanza e paterno sostegno davanti a questa prova, che è dura, ma è salutare. E invito i cattolici francesi ad assumere le loro responsabilità per garantire che la Chiesa sia una casa sicura per tutti. Continuer à faire des efforts, dit le pape François. Oui, mais il dit aussi, j'invite les catholiques à assumer leurs responsabilités. Et ben, c'est ce que je fais ici, là, maintenant. Je veux dire, moi, j'assume mes responsabilités. Je dis, il y a quelque chose à changer dans cette Église. Il faut le changer pour deux raisons. D'abord, il faut respecter les victimes. C'est une façon, c'est la meilleure façon de respecter les victimes, de dire, on a entendu ce qui s'est passé, on prend ça au sérieux. Puis, il y a une autre chose, l'Église, ce n'est pas seulement une institution, elle a un objectif, hein, c'est de porter l'Évangile, d'avoir une parole qui soit fiable, qui soit crédible, qui soit entendue. Cette parole, aujourd'hui, elle est réduite à néant. Ça veut dire que la faillite, c'est une faillite morale, c'est une faillite spirituelle. C'est la faillite de la machinerie telle qu'elle est en place. Ça veut dire qu'il faut repenser la formation des évêques également, complètement ?
Oui, sans doute. Que vous appelez plutôt à appeler des frères plutôt que des pères. Mais je pense que, j'ai envie de dire, le verre est dans le fruit quand on les appelle Monseigneur, quand on les appelle Père, quand il y a toute cette espèce de machinerie médiévale. Non mais, vous savez, un prêtre qui est ordonné, il met ses mains dans les mains de l'évêque comme un chevalier mettait ses mains dans les mains d'un suzerain. Alors, le geste, il est beau, il est émouvant. Moi, j'ai été à beaucoup d'ordinations. Mais il y a une vassalité, là, qui se met en place. C'est ça. Alors qu'on est dans un monde, on est aussi dans le monde de la liberté de conscience chez les chrétiens. Il ne faudrait pas l'oublier. On apprend beaucoup aux catholiques l'obéissance. Mais il y a aussi l'espace de la liberté de conscience. Et moi, je crois que l'Évangile, c'est libérateur. C'est pour ça que je me bats. Avec ce rapport et la déflagration, c'est évidemment, vous l'avez évoqué, le quotidien des fidèles qui est bouleversé. Toutes les générations de fidèles sont à la fois consternées et inquiètes pour l'avenir. On en a entendu beaucoup ce week-end. Profondément choquée par les révélations de ce rapport, profondément attristée pour toutes ces victimes. On est honteux d'imaginer que tout ça ait pu se produire. Et maintenant, on se dit que l'Église va sans doute mettre des décennies à se remettre d'une crise pareille. Il faut condamner ces personnes-là. Ce n'est pas parce que ce sont des prêtres ou des religieux qu'il faut un traitement spécial. Ce sont des criminels. La première chose, c'est la honte. La honte que parmi nous, il y en ait eu qui aient sali des enfants, qui les aient brisés, qui aient fait des meurtres psychologiques, parce qu'il s'agit bien de ça. Ça, c'est la première chose, la honte. Vous retrouvez ce que vous disent vos lecteurs ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense qu'il y a les deux. Hein. On entend bien ces deux voix, c'est-à-dire quelque chose d'une immense compassion à l'égard des victimes. Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas que les prêtres et les évêques qui ne les ont pas entendus, les familles. Mmh. Hein, dans le rapport Sauvé, il dit 40% des victimes ont parlé et leurs propres familles ne les ont pas entendues. Et plutôt que d'accuser les parents, moi je dis que ça prouve qu'il y a un poids, une chape de respect de ce qu'est le prêtre. Le prêtre, il est célibataire, il est censé pas avoir de sexualité. Donc quand en fait vous avez un gosse qui vous dit « le père machin m'a pris sur ses genoux, il m'a caressé et fait des bisous », eh ben, les parents, ils pensent que c'est le gosse qui est un affabulateur, puisque le curé, il est censé pas avoir de sexe. Donc le nombre de cas où des gens disent « moi, mon père, ma mère, il m'a fichu une claque » en disant « arrête de raconter des horreurs », c'est ça qui s'est passé, en fait, partout. Et donc, en fait, c'est ça qu'il faut changer. C'est, les prêtres, au milieu de nous, sont, je dirais, avec nous pour annoncer les choses, mais ils n'appartiennent pas à une autre essence humaine.